Joyeux Noël! Un peu en retard, mais joyeux Noël à tous en tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, on va pas dire de fin d'année parce que c'est pas encore le nouvel an, mais un bon Noël, voilà. En tout cas, salut les potes, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va super bien, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, il y a un vent de fou, voilà, on va aller se balader avec un collègue en 07 également, mais en Night Fluo. Et je vous jure, j'ai l'impression que je vais m'envoler à tout moment. J'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment un coup de vent et je vais partir avec la moto dans les airs, sérieux. Non, plus sérieusement, voilà, je suis de retour. Bon, voilà, je suis vraiment désolé par rapport à l'absence que j'ai eue. Et je vais vous expliquer, c'est tout simple. Comme toute personne qui fait des vidéos sur YouTube et tous ceux qui font des vidéos sur YouTube vont me comprendre à travers mon message, vous avez des fois des baisses de motivation et c'est littéralement ce qui m'est arrivé en fait ces dernières semaines. J'ai eu une baisse de motivation parce que le problème c'est qu'à chaque fois que sortait la moto, à chaque fois je filmais, j'étais vraiment à fond dans les vidéos et je pense que trop faire de vidéos, en fait ça m'a lassé en fait de la chose. Donc du coup c'est pour ça que je me suis un peu calmé, j'ai fait une petite pause, vous inquiétez pas, je ne vous ai pas laissé tomber, voilà, j'ai mis même un petit message dans la communauté. D'ailleurs je remercie tous ceux qui ont répondu à mon message gentiment, ceux qui ont liké le post, c'est super sympa. Voilà, j'ai fait une petite pause histoire que ma motivation revienne. Et voilà, je pense que vous comprenez à peu près mon message. Là on revient sur du lourd parce que genre ça fait au moins un mois que j'ai pas sorti la moto. Je remercie d'ailleurs tous mes abonnés, voilà, malgré mon inactivité, je continue à gagner des abonnés. Donc franchement vous êtes au top, y a rien à dire. Je me suis couvert mais violent. Genre là j'ai mis un putain de jogging polaire en dessous de ma combi. J'ai mis un pull, putain laisse tomber quoi. Mais au moins j'ai pas froid, c'est le principal. Allez, mets-toi au rouleau. Ça serait bien qu'ils sortent un truc pour les motos, tu sais, pour les rouleaux. Ça serait tellement bien. Le gros branleur qui veut pas se faire chier, tu sais. Wow, 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 wow. Oh, le sous-régime. Oh, je sais même plus conduire, c'est abusé. Et il va partir en lève, regardez bien, attention, attention, attention. Ça va partir. Hein. Allez, ne me fais pas mentir, s'il te plaît. Tout le long, il va rester comme ça, en fait. Ça va, t'as pas trop froid? Un peu. Ça fait froid un peu. Hein. À l'arrêt, ça va. Ouais, à l'arrêt, ça va, ouais. Les mains un peu. Ouais, les mains et moi. Les doigts. Et mon cou aussi. Là-bas, il va y avoir plus de l'ombre. Hein? Là-bas, il y aura plus de l'ombre. Oh, c'est pas grave. Bah, les couilles. Ombre, pas ombre, on y va. Bah, vous voyez là. Ah putain, vous voyez le nuage, comment il descend? Enfin, pour moi, c'est la pluie quoi. Là-bas, il pleut vraiment. Là-bas, il pleut, hein. On va à droite, hein. Bon, on se casse parce que là, on va se choper la pluie. Voilà, malheureusement, temps de merde, hein. Il faisait beau, on est parti, il faisait beau. Regardez-moi ce nuage-là. On a réussi à le détourner tout à l'heure, mais là, laisse tomber, quoi. Il y a tout qui arrive sur nous. Là-bas, il fait beau. Là-bas, c'est l'enfer. Dégoûté. Oh là 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 là. C'est incroyable, frère. Oh, arc-en-ciel. Oh, le nuage, là, c'est incroyable. Ça va? Ouais, il va pleuvoir en rentrée, hein. Ça va? Rentrée, il va pleuvoir, ça tombe là-bas, laisse tomber quoi. Pour ça, on rentre. Oh, ce bordel. Oh, le bordel que ça fait. Oh, le bordel que ça fait. Il a rien compris en fait. Ah, il met des retours de flamme dans la gueule. C'est gentil ça, c'est gentil. Allez, ton clignotant, mon pote, ton clignotant. Le clignotant. Ouais, fais gaffe quand même, hein. Quel bâtard. Ah, on fait un constat direct. Putain, il m'a foncé dans le pneu. Waouh, putain, mais elle est déchaînée, c'est incroyable. Oh, la mousse que ça fait, j'ai envie de la boire carrément. On dirait un bon petit coca là. Ah, je pars dans des délires de fou, moi. Waouh. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bordel? C'est la mer? C'est inondé de fou là. Putain, on va devoir rouler dans l'eau. Ah, je suis dégoûté, vas-y, je vais la pourrir la bécane. Ah, c'est quoi ce bordel? Je pense que c'est la mer, hein, ça peut pas être la pluie. Putain, la mer elle a débordé sur la route quoi. Ah oui, d'accord. En gros, oh, j'ai vu une vague là-bas, elle est loin. Ah ouais, oh là là. Et il va falloir un peu alterner la circulation là, mesdames et messieurs là. Ouh. Au calme le mec. Il s'en bat les couilles. Je vais foncer dans mon rétro, mais bat les couilles quoi. T'as dit quoi? Il a tapé le rétro de la bagnole. Ah, il a tapé le rétro de la bagnole. Mais non, j'ai pas envie de rouler dans l'eau. Oh là là, on va la pourrir la moto. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Bah bah bah, putain. Ah, c'est quoi ce bordel? Oh là 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 là. Ah bah, ça va aller au lavage direct, hein. Ah, je vais me faire défoncer. Ah, je vais me prendre un coup de vague dans la gueule. Bon, résultat des courses.
lavage de la moto parce qu'elle est dégueulasse et j'ai la flemme. J'ai la flemme parce que je dois la laver, rentrer, mettre un coup de microfibre, regraisser la chaîne, tout ce que tu veux. Oh là là. Je suis un gros flemmard en fait. Bon, en tout cas, je vous laisse contempler cette magnifique vue. Voilà, on a pris des beaux petits clichés. Je vous les mettrai à l'écran. Tac, 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 tac. Bon, bref, j'arrête. Voilà, vous avez eu les petites photos. Voilà, c'est magnifique. C'est parfait. Ça va aller direct sur mon Instagram. D'ailleurs, mon Instagram. Actuellement ici, ça fait juste en bas de l'écran. Voilà, si vous voulez le rejoindre, bah, n'hésitez pas. Allez. Un peu d'essence. Et ensuite, au lavage. Ça va lui faire du bien. Ça fait tellement longtemps. Mais qui fait du bruit et tout, tu sais. Ce genre de bruit que tu fais. J'adore l'odeur de l'essence. C'est de fou ça. Ah mais sérieux, dites-le moi en commentaire. Hein. Je suis pas le seul à aimer l'odeur de l'essence, c'est pas possible. Attention la goutte, attention la goutte, attention la goutte. Oh putain encore, mais vas-y frère. Il m'arrive quoi avec mes gants là? Oh il a mis que 7€, le radin. Il est radin avec sa moto. Hein. Pour tous les amateurs de personnes voilà, qui n'aiment pas laver leur bécane un coup de jet d'eau, il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Hein. Après il suffit juste d'avoir une bonne distance tu vois entre ta bécane et le jet quoi tu vois. Ça fait à peu près un mètre. À peu près un mètre. Bon les potes, je profite de cet éclairage pour vous dire que si vous avez kiffé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à lâcher le plus gros like, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo les potes. C'était le Keys. Ciao.